Une cérémonie du lancement de la campagne de masse sur la communication pour le changement social et comportemental et l'éducation parentale sur l'éducation préscolaire et le développement intégré du jeune enfant s'est déroulée à Obok. Étaient présents à cette cérémonie le préfet adjoint, M. Mohamed Awad de la région d'Obok, et M. Mohamed Hamed Ismail, le président du conseil régional, la directrice de l'enseignement public, le coordinateur des programmes par intérim et le chef de projet. Jouer pour apprendre. Ce projet Jouer pour apprendre, financé par l'USAID et mis en œuvre par Mott McDonald, en collaboration avec ses partenaires, le MENFOP, le MFF, Sonal Haya et UNFD, a pour objectif de soutenir la vision du gouvernement de Djibouti, qui est d'améliorer l'accès à une éducation préscolaire de qualité pour les enfants djiboutiens âgés de 3 à 6 ans, notamment les plus vulnérables et ceux issus des familles démunies. Pour avoir le soutien des parents, des enseignants et de la communauté en général dans l'atteinte de cet objectif, le projet en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, lance dans un premier temps une campagne nationale sur la communication pour le changement du comportement social sur un certain nombre de thématiques. La cérémonie de lancement a bénéficié d'une présence distinguée avec la participation des autorités locales telles que le préfet adjoint de la région, le président du conseil régional, les enseignants et les parents d'élèves.